décrypter, informer, divertir. Now. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Hortense Baptiste, c'est mon prénom. Nouvelle anecdote. Sur son premier plateau d'humour, Laura a craqué son pantalon. Vrai, vrai, totalement vrai, j'en suis sûre. C'est horrible. Totalement vrai, j'en suis sûre. Laura. C'était à l'entrejambe et c'était devant ma mère. Il y avait mon copain aussi. C'était à Avignon il y a 2 ans. Ouais. Oh là, Jamel Debbouze a fait la même chose il y a quelques jours ou semaines, et Lenny Kravitz aussi a fait ça. Sauf que moi j'avais pas de culotte et que j'avais une combi serrée. C'est génial. C'est exceptionnel. Mais il y a la vidéo de ce truc là ou pas? Non, il y a pas la vidéo de ce truc là. Parce que ça, c'est pour lancer une carrière, il y a quand même pas mieux. Du coup, j'ai fini les saluts avec du gaffeur et tout sans pantalon. Du coup, mais t'as dû être complètement perturbé. La première fois que ma mère me voyait jouer un sketch sur scène en plein festival, donc j'avais fait des plateaux avant, mais là c'était en mode Festival Avignon, il m'invitait sur un plateau un peu important et tout. Et du coup, ça m'a perturbé tout le sketch. Ma fille, ça fait... tu te rhabilles tout de suite, c'est quoi ça? Bah, du coup, c'est passé parce que ça s'y prêtait avec le sketch, mais quand même. Quelle a été la réaction du public du coup? Mais ils étaient morts de rire, mais plus qu'à mes vannes, donc c'est violent. Tu vois. Mais attends, c'est bien, quand t'es en train de faire un beat, tu vois, tu t'assois un peu de manière forcée, tu claques ton talent et c'est bon. C'est facile. Et bravo à vous deux, ça fait 2 nez en plus. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.